La confiture de ma copine, ce n'est pas du tout ce qu'on croit. Ça ne se met pas sur la tartine, du moins c'est pas prévu pour ça. Les enfants, vous avez vu l'heure, il est temps d'aller vous laver. Vous pourrez prendre un petit beurre et puis vous irez vous coucher. Lorsque j'embrasse ma copine, je dois occuper mes 10 doigts. Il lui caresse la poitrine, le dos, les fesses, etc. Sans trop tarder, il s'insinue sous la barrière des vêtements. Dans la chaleur de sa peau nue, il bat guenaude patiemment. Dès que les fourches se délient, il se faufile hardiment. Puis il plonge dans la bassine et se barbouille goulûment. La bouche vient à la rescousse quand ça déborde maintenant. Je tiens bon malgré les secousses et je l'emmène au firmament. La confiture de ma copine est délicieusement parfumée et réjouit langue et narine quand elle suce mes doigts trempés. La confiture qui dégouline, c'est fou comme on aime tout de ça. Plus je pourlèche ses babines, plus ça dégorge de son chat. La confiture de ma copine, on s'en délecte constamment. Dans la chambre ou dans la cuisine, car c'est toujours le bon moment. Et nonobstant le temps qui passe, toujours je plonge dans le pot. Jamais, jamais je ne me lasse de banqueter en cet enclos. Certains l'appellent la cyprine, ça fait plus chic évidemment. Confiture ça fait moins médecine, et nous trouvons ça plus parlant. Mais là il faut que je vous laisse, c'est bientôt l'heure du repas. Et si le menu vous intéresse, sachez que c'est pas du tout ce qu'on croit.